Ah, bonsoir, bonjour encore tout de même. Cette configuration est valable au Cameroun et aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'autres personnes sont plaintes qui ne parvenaient pas à créer une configuration pour capter un tunnel. Bon, tout de même, je vais vous montrer comment configurer capter un tunnel. Et bah, déjà, là, on va aller sur notre navigateur. On va taper là speed ssh.com. Justement, patiente que ça charge là. Ici, moi, j'utilise un MIFI MTN. Bon, je suis connecté à un MIFI MTN. On va aller là sur United States en Canada. Justement, on doit remplir le nom ici. Voilà le host. On doit seulement créer un compte qui est valable 7 jours. On va mettre là peut-être tunnel. Tunnel et créer le compte. Bien. Après avoir créé le compte, la prochaine étape à suivre, c'est d'aller dans notre cap et un tunnel. Bon, je t'ai connecté avec. J'arrête. Venir là. Si nous avions déjà eu à mettre un compte ici, config, reset, reset, all. Venir sur l'icône qui s'affiche comme pour Telegram. On va dire host. On va faire k1.ip. Speed.com. Bon. Notez bien, le port c'est SSH, c'est-à-dire 22. Voilà. Voici la partie la plus importante. Soft forward, connection forward. On va mettre VPN service. Connecter DNS et enable. Après avoir mis tout ceci, on fait un retour. On fait encore le menu config export. On met là. Tunnel config. Apparemment, cette configuration est individuelle. Ça ne marche pas sur d'autres téléphones. Voilà, justement, test notre connexion cannot read full block of reach. Voilà, quand il y a une petite erreur, ça refuse de se connecter. On doit, parce que j'ai oublié de régler un SSH, je vais enlever établi. Je clique encore à nouveau. On voit maintenant ce que le message donne. Bon, là, je vais importer une de mes configurations. Config import. Ma nouvelle config qui est la même config que tout à l'heure. Voilà, on clique sur Start. Connecting to. Voilà l'empreinte digitale de connexion. Custom, ça permet déjà de créer le tunnel. Là, on est connecté, mais ça essaie de mettre le tunnel en place. Le forward de la connexion. Voilà, Tune Sock Started, ça veut dire que nous sommes connectés à notre VPN. Voilà. On va taper là pour vérifier si nous sommes vraiment connectés. Légèrement, il est légèrement un peu lent, mais on peut en faire avec. Si ça parvient déjà à WhatsApp et envoyer nos messages, là c'est déjà bien. Voilà. Voilà notre serveur qui vérifie encore. K1.ipspeed.co 45051 qui est le slash de la chaussette en quelque sorte. Voilà, c'était tout. Comment configurer notre KPN tunnel. J'attends des feedbacks puisque je vais poster ceci sur Telegram. J'ai dû filer ma configuration à tout le monde, mais personne n'a pu travailler avec, donc j'espère que vous pourrez aussi créer pour vous votre propre
votre propre configuration individuelle et pouvoir surfer sur votre téléphone. Pas besoin de faire un route sur votre téléphone.